Alors salut et bienvenue dans cette vidéo, chers élèves. Nous allons tout simplement continuer à corriger de l'épreuve 0 de mathématiques au probatoire D et D. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur l'exercice numéro 3. Cela concerne la théorie des graphes. Donc, je vais dans cette vidéo vous donner une ébauche de correction qui pourra vraisemblablement vous aider à mieux comprendre cet exercice. Alors on fait la lecture. Une compagnie privée de transport aérien dessert les capitales de 6 pays. Le Cameroun, le Tchad, la France, le Bénin, B, le Gabon et le Nigeria. Le tableau ci-dessous, il s'agit du tableau numéro 1. Le tableau ci-dessous donne le plan des vols directs existant dans le réseau de transport aérien de cette compagnie dans ces pays. Étant A, il est possible d'aller à. Donc, étant à B, il est possible d'aller à C, c'est-à-dire étant au Bénin, il est possible d'aller au Cameroun. Étant au Cameroun, puisque C c'est Cameroun, D c'est Tchad, F c'est France, B c'est Bénin, G c'est Gabon, N c'est Nigeria. Donc étant au Cameroun, il est possible d'aller au Tchad, au Gabon et en France. Étant au Nigeria, il est possible d'aller au Cameroun. Étant au Gabon, il est possible d'aller au Bénin. Étant au Tchad, il est possible d'aller au Nigeria. Étant en France, il est possible d'aller au Gabon et au Tchad. Voilà pour le premier tableau. On demande, dessiner le graphe permettant de modéliser ce réseau de transport aérien. Alors cet exercice est relativement simple et vous allez le constater avec moi. Dessiner le graphe permettant de modéliser ce réseau de transport aérien. Donc, nous allons nous servir de ce tableau. Commençons par indiquer, n'est-ce pas, les différents pays. Nous avons B, nous plaçons B ici. Après B, on a C. Nous pouvons placer C là. N. G. T. Et puis F. Ok, ça c'est bon. Donc, ce sont les différentes destinations. Étant donc à B, il est possible d'aller à C. Donc, voilà pour la première. Étant à C, il est possible d'aller à T. Il est possible d'aller à T. Il est possible d'aller à G. Il est possible d'aller à F. Étant à N, il est possible d'aller au Cameroun, c'est-à-dire à C. Étant à G, il est possible d'aller à B. Étant à G, on peut partir à B. Étant à T, on peut aller à N. T, on peut aller à N. Ça c'est bon. Étant à F, il est possible d'aller à G. Et à T. C'est tout. Voilà. Nous avons terminé avec la première question. 2. Complétez le tableau suivant. Destination degré, nous avons là B, C, N et G. Voilà. Complétez au tableau suivant. Nous avons destination degré. Nous avons les différentes destinations. Bénin, Cameroun, Nigeria et puis Gabon. Donc, degré ici représente les différents vols entrant et sortant pour chacune des destinations. Donc, B. Nous avons, par exemple, un vol sortant, un vol entrant. Cela fait donc 2. C, nous avons 2 vols entrants. Nous avons 3 vols sortants. Cela fait 5. N, nous avons un vol sortant, un vol entrant. Ça fait encore 2 ici.
G, nous avons un vol entrant, un autre vol entrant, ça fait 2, puis un vol sortant, ça fait 3. Et vous voyez que c'est terminé pour la question 2. 3. Nombre de vols directs de cette compagnie. Donc, nous allons nous servir directement de notre graphe concernant la première question. Chaque vol direct est matérialisé, n'est-ce pas, par une étroite fléchée. Point. Nous allons compter ensemble. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 vols directs. Donc c'est tout. On a 9 vols directs pour cette compagnie. Question 4. Monsieur Bappé se trouve à Paris et souhaite se rendre à Yaoundé en empruntant cette compagnie. Décrivez tous les itinéraires possibles qu'il peut avoir. Voilà. Monsieur Bappé se trouve à Paris et souhaite se rendre à Yaoundé. Donc, observons bien. Comme je dis toujours, le bon scientifique doit être capable d'observer, analyser. Il se trouve à Paris. Paris, c'est en France. Donc, il est ici. Et souhaite se rendre à Yaoundé. Souhaite se rendre au Cameroun. Donc, il est ici. Il veut se rendre là. Décrivez tous les itinéraires possibles qu'il peut avoir. Donc, vous voyez que partant de la France, il ne peut pas directement aller au Cameroun. Vous voyez que la flèche, il est possible d'aller au Cameroun en France, mais pas le contraire. Donc, il peut faire comment? Soit il part au Tchad, du Tchad, il va au Nigeria, et du Nigeria, il arrive au Cameroun. Ça, c'est le premier itinéraire. Autre itinéraire, soit il part du Gabon, il arrive au Gabon, il va au Bénin, et du Bénin maintenant, il atterrit au Cameroun. Voilà les deux itinéraires possibles. Donc ça, c'est une lecture du graphe de la première question. Alors, 4 itinéraires possibles. Ayant déjà expliqué, le premier itinéraire, c'est F. Donc, on a F à T, T à N et puis N à C. Donc, F à T, T à N et puis N à C. Deuxième itinéraire, F à G, G à B et puis B à C. F à G du Gabon, il va au Bénin, et du Bénin maintenant, il se retrouve au Cameroun. Donc voilà les itinéraires possibles. France, Tchad, Nigeria, Cameroun, ou bien France, Gabon, Bénin, Cameroun. Voilà ce qu'il faut noter. Question 5. Des diplomates tchadiens et gabonais se trouvant à Paris prennent un avion de cette compagnie pour rentrer dans leur pays respectif. Quel chemin doit emprunter le pilote pour minimiser la distance? Vous avez un tableau en bas qui donne les distances en kilomètres. Question 5. Chemin à emprunter. Pour minimiser la distance. Déjà, nous allons, comme tout à l'heure, trouver les itinéraires possibles pour ce pilote. Nous avons des diplomates tchadiens et gabonais qui se trouvent à Paris, c'est-à-dire en France. Ils sont ici. Ils doivent rentrer dans leur pays, c'est-à-dire au Tchad, puis les autres au Gabon. Le pilote ne doit pas porter les Gabonais à les laisser et revenir porter les Tchadiens. Ils empruntent tous le même avion. Quel sera donc l'itinéraire que le pilote pourra emprunter pour minimiser la distance? Donc, soit il part de la France, il vient d'abord, il laisse les Gabonais, il quitte maintenant du Gabon, il va au Bénin,
du Bénin, il atterrit au Cameroun, et au Cameroun, maintenant, il revient laisser les Tchadiens. Ça, c'est la première hypothèse, la première possibilité. La deuxième possibilité, ils sont ici. Ils viendront d'abord, ils laissent les Tchadiens. Pour arriver au Gabon, il faut qu'ils partent au Nigeria. Du Nigeria, il arrive au Cameroun, et au Cameroun, maintenant, il revient, il descend au Gabon, laisser les autres restants. Donc, nous allons matérialiser ces deux chemins et nous allons calculer les distances afin de choisir le chemin, l'itinéraire qui sera le moins long. Donc, je note ça rapidement. On va aller à F. On part d'abord laisser les Tchadiens, par exemple, du Tchad. On va à N. À N, on va à C. Et puis à C maintenant. On va laisser les Gabonais. Soit étant à F, on va d'abord laisser les Gabonais. Étant maintenant au Gabon, on va au Bénin. Du Bénin, on va au Cameroun. Du Cameroun, maintenant, on revient laisser, on vient maintenant laisser les Tchadiens. C'est bon. On va donc calculer les différentes distances de F à T, c'est-à-dire de la France au Tchad. Là, c'est Paris, N'Djamena. Je commence par vous donner les différentes capitales. La France, c'est Paris. Donc, ici, on est à Paris. Ici, on est à N'Djamena. Au Nigeria, on est à Abuja. Au Cameroun, on est à Yaoundé. Au Gabon, on est à Libreville. Voilà. Au Bénin, nous sommes à Cotonou. Donc nous avons les différentes destinations. Nous allons prendre les différentes distances dans le tableau, dans le troisième tableau. Paris-N'Djamena. Paris-N'Djamena, c'est 4251. Mais ici, on est à 4251 km. Maintenant, N'Djamena-Abuja. N'Djamena-Abuja, deuxième colonne, 892. Abuja-Yaoundé. On a 730. Yaoundé, Libreville. On a 450. Donc ça, c'est pour le premier itinéraire. Deuxième itinéraire, Paris, Libreville. On est à 5433. Libreville, Cotonou, 1025. Cotonou, Yaoundé, 1043 km. Et puis, Yaoundé, N'Djamena, 995. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la somme. Si je prends la première distance, D1, pour l'itinéraire 1, c'est donc 4251 plus 892 plus 730 plus 450. Cette distance nous donne 6323 km. Et puis, deuxième itinéraire, D2 est égal à 5433 plus 1025 plus 1043 plus 995. Cela nous donne 8496 km. Et là, nous pouvons conclure. Conclusion. Le chemin à emprunter, c'est donc Paris, N'Djamena, Abuja, Yaoundé, Libreville. Point barre. Là, on écrit en toutes lettres Paris, N'Djamena. Abuja, Yaoundé et puis Libreville. C'est donc tout pour la cinquième question. Vous voyez que c'est un exercice relativement simple. Nous terminons avec la question 6. Cette compagnie souhaite relier chaque pays aux autres par des vols aller-retour par semaine. Parmi les réponses proposées ci-dessous, choisis celle qui donne le nombre total de ces vols aller-retour.
Pour répondre à cette question, observons notre graphe de départ. Nous avons 6 pays. La compagnie souhaite relier chaque pays aux autres par des vols aller-retour par semaine. Parmi les réponses proposées ci-dessous, choisis celle qui donne le nombre total de ces vols. Donc, il faut analyser avant de choisir. Nous avons 6 pays. Ça veut dire que si nous nous intéressons par exemple à un pays, prenons par exemple le Gabon. Ça veut dire que le Gabon doit faire un vol aller-retour Gabon-Nigeria. Aller-retour, ça fera un vol. Gabon-Cameroun, plus un encore. Gabon-Bénin, plus un. Aller-retour. Gabon-France, plus un. Et puis, Gabon-Tchad, plus un. Ça fait donc 5 vols aller-retour. Lorsqu'on s'intéresse, par exemple, au Gabon. Et ce sera pareil pour les autres. Si je m'intéresse au Gabon, j'aurai 5 vols. Au Nigeria, j'aurai 5 vols. Au Cameroun, j'aurai 5 vols. Au Bénin, j'aurai 5 vols. La France, j'aurai 5 vols. Au Tchad, j'aurai 5 vols. Ça fait donc 5 vols fois 6 pays. Ce qui fait 30. Donc dans la liste, si vous voyez 30, vous cochez donc 30. Alors vous choisissez la bonne réponse, 30. C'est tout pour l'exercice 3 et la fin, n'est-ce pas, de la première partie concernant l'évaluation des ressources. Alors, nous allons mettre fin à cette petite vidéo concernant le corrigé de l'exercice numéro 3 de l'évaluation des ressources mathématiques probatoires 0 2020 Cameroun. Ne quittez pas cette vidéo, chers élèves, sans laisser un commentaire, sans lâcher un pouce bleu et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Faites de cette chaîne votre ami. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine.